Frères et sœurs, amis prières nous yo, chers membres de sept groupes, amis YouTube, amis Facebook nous yo, bon midi. Chers auditeurs de la radio Télé Papillon, nous saluons tout l'autre groupe monde qui a participé avec nous dans le programme ça. Zami nou yo, nous espérons que bon Dieu lui-même lui prend place au milieu de nous. Jodi c'est dimanche 23 octobre. Nous touchons deuxième semaine prière nous. Qui se repentez-vous et convertissez-vous car Jésus revient bientôt. Jésus dit nous vini. An plaide si péché nous yo rouge tant kou kramoisi. La feuille yo vin blanc tant que la neige. Vini zanmim. An nous sanctifier nous. An nous prend ferme décision pour nous abandonner ça qui empêche nous avancer. Sous mo sa yo mon souhaite nous bienvenue et bonne participation dans programme midi ça. Frères et sœurs, an nous ramasser toute force nous. Pour nous capables de rentrer dans une grosse manifestation, ça, qui se déchouquer péché. Si vous avez un bagaille, ou t'es oublié, confessé pour lui, c'est moment plus propice, la frères et sœurs. Pour nous commencer, nous avons chanté dans le numéro 325, et nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Frères et sœurs, nous pourrons lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Mes amis, c'est pour nous, oui, bon Dieu, te fait toute promesse sa yo. An kembe kon nou ak nam nou nan kondisyon pou nou servi bon Dieu. An voye tout bagay ki ka wete nou nan kondisyon sa jete. An chèche viv a pa pou bon Dieu. An viv nan krentif li. Amen.
frères et sœurs, là nous laver dans sang Christ, là n'a plus blanc que la neige. Nous parlons ensemble du commandement de Dieu, nous trouvons dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Il dit nous comme ça. Bon Dieu, pour en parler, il dit, c'est moi-même, Seigneur, bon Dieu, nous, qui te fait nous sortir dans le pays l'Égypte, côté nous tes esclaves là. Puis, gars, nous gain l'autre bon Dieu, passez moi-même seulement. Puis, gars, nous jamais fait aucun statut, ni aucun portrait qui semblait bagaille qui en haut dans le ciel là, ou sinon bagaille qui sous la terre, ou encore dans de l'eau en bataille. Puis, gars, nous adorer yo, ni puis, gars, nous servir yo. Parce que moi-même, Seigneur, bon Dieu, nous, moi, c'est un bon Dieu qui fait jalousie. Les yon moun raïm, moi, fait petit li. Petite petite li ak petite 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 li yo paye ça mais la yon moun remèm le li fè sa mande l fè m'ap montre l jan mwen remèl tout ensemble ak toute petite petite li yo pendant 1000 générations pi ga nou servi mal ak non seigneur bon Dieu nou an parce que seigneur pap manke papi ni moun ki servi mal avec non li. Toujours songer jour et poa pour nous mettre la pa pour moins. Nan travail 6 jours. Les sa yo nan fait tout ça nous gain pour nous faire. Mais 7e jour c'est jour repos pour nous mettre à pa pour Seigneur bon Dieu nous. Jour ça nous pas faire aucun travail ni nous-mêmes, ni petit garçon nous, ni petite finou, ni moun kap travay la kay nou, ni bet nou yo, ni étranger ki la kay nou. Parce que Seigneur te prend 6 jours pour le faire ciel là, la terre ak la mer ensemble ak tout ça ki la dan yo. Après ça, nan 7e jour, li prend repos. C'est peut-être ça, Seigneur béni jour repos, li metel a pa pour li. Respecte maman nou ak papa nou. Pour nous ka vivre longtemps dans le pays Seigneur, bon Dieu nous en ban nous. Puis ga nous touye moun, puis ga nous fait adulte, puis ga nous prend ça qui pas pour nous, puis ga nous bay menti sou frè pareil nous, puis ga nous pote l'envie sou ça qui pas pour nous, ni sou kay frè pareil nous, ni sou madame li, ni sou moun kap servi la kay li, ni sou bef li, ni sou bourik li, ni sou aucun l'autre bagay ki pou frè pareil nou. Et nou di amen. Frères et sœurs, on nou mette nan chenou pou nou priye le Seigneur. Papa nou ki an ou nan ciel la, nou béni ou nou exalte ou, nou bon gloa ak louange, pou soye, pou so fè, pou so konte fè nan la vie nou. Nous venons devant vous à midi ça pour nous remettre au moitié journée et nous glorifier non parce que vous permettez nous passer moitié dans journée ça en bien. Nous venons avec fado péché nous yo. Nous venons demander autant pour papa pardonner péché nous gain pitié pour chacun de nous. Tandis que nous venons dans la deuxième semaine ça, nous venons demander la sanctification. C'est parole qui dit sans la sanctification, personne pas pour bon Dieu. Tant pour papa, dans la Jésus, dans miséricorde, dans l'amour gain pour nous, sanctifiez-nous, aidez-nous faire un nettoyage total dans la vie nous, sans nous pas qu'à quitter yo, sans qui tourner en chaîne qui marre pied nous, qui marre main nous. Oh, n'a demande de grâce, débarrassez-nous des entraves ça yo et même Jean avec Paul. Qui est-ce qui a délivré nous de ce corps mortel? C'est seulement vous-même, papa. Oh, de grâce envers nous. Sois apaisé envers chacun de nous. Nous levez devant vous chaque monde qui a tant de prières, ça. Chaque groupe, chaque frère et sœur. Et nous pas oublier lever dans nous la coordination, l'intercession et les 7 groupes qui ont participé dans 21 jours de prière ça et que toute bagaille soit faite selon ta sainte volonté pour la gloire de ton saint nom et pour l'édification de chacun de tes enfants. Fais-nous grâce, pardonne les péchés nous une fois de plus, nous lever devant au frère nous, frère Robinson Pierre, lui-même qui vient pour prendre la parole en ton nom, qui est capable de brûler boucher avec charbon ardent de ton autel et tout ça lui va dire va sortir directement de haut.
Fais-nous faveur, acceptez-nous, non pas pour parce que nous bon nous dignes, nous prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, avant nous passer, frère, nous n'y quoi, nous attendons ensemble, chantem 21. Fado péché est trop gros pour nous. Nous voulons délivrer de yo. Maintenant même, nous dit Jésus, pour les délivrer nous. Seul lui-même qui a calmé souffrance, ça que péché causé dans la vie nous. Non pied quoi qu'on y a. Nous venons avec cœur nous brisé et nous en confusion. On nous demande pour laver nos frères et sœurs. Si nous prenons ferme décision pour nous abandonner, pour nous déchouquer péché dans la vie nous. Nous mettons assuré nous que bon Dieu apprend nous plus blanc que la neige. Nous avons assurance que victoire c'est bon côté nous lié. Puisque nous connaissons bon Dieu pardon, l'amour bon Dieu pardonne tout péché nous. Nous croyons vraiment c'est dans bon Dieu victoire. Frères et sœurs, en bas la croix, comme il y a même, nous sentons nous lever avec victoire, nous en menons. Et c'est ça qui fait nous crier plus fort, blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Chers frères et sœurs, nous remercions qui t'ont participé avec nous dans le programme de ce midi. Disposez cœur nous pour nous capables d'entendre la méditation avec notre frère Robinson Pierre. Bon midi, frères et sœurs, que bon Dieu bénisse nous et sanctifie nous pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient avec vous tous. Nous comptons ensemble dans le moment midi ça, toujours dans le cadre de la série 21 jours de prière ça. Et qui a un thème ça, repentez-vous et convertissez-vous, car Jésus-Christ revient bientôt. C'est le grand thème de ce grand programme, frères et sœurs bien-aimés. Que Seigneur a aménagé pour le capable de bénir chaque petit lio indistinctement qui est papillé à travers la terre entière. Et frères et sœurs bien-aimés, il y a 7 groupes qui mettent tête ensemble pour réaliser ce grand programme. Nous voulons saluer dans le moment ça.
ministère intercession, ministère persévérance en Christ, ministère affranchi, et c'est par la foi, ministère Gédéon, et ministère et alors missionnaire des héritiers, jeunes adventistes du Brésil, ainsi que les auditeurs, les auditrices de la radio télé Papillon, nous saluons, nous, frères et sœurs, captants de nous sur Facebook, YouTube, frères et sœurs, qui bénédiction, bon Dieu, envahit la vie, nous, en ce midi, ou même qui angoissé, ou même qui a tombé levé avec un mal, une faiblesse dans la vie, un trait de caractère, un vice, qui grâce, bon Dieu, dans le moment ça, capable la vie nous qui grâce bon Dieu dans moment ça capable purifier la vie nous frères et sœurs bien-aimés alors que nous pourrons méditer et frères et sœurs sous parole et que bon Dieu gagne pour nous dans moment midi ça moi inviter nous côté où il y a pour capable et chanter avec moi strophe chant ça et dans les numéros 231 et n'a chanté deuxième strophe là qui dit que je ne t'apporte rien et ma grande misère oui mon orgueil mon ayant mais péché au Dieu mais tu mouris pour moi sur la croix du calvaire. Oui, et tu m'as racheté par ton sang précieux. Frères et sœurs bien-aimés, et avant que nous prions, m'a invité nous lire avec texte, nous pour méditer sur l'IA. C'est bien Romains chapitre 13, les versets 11, 12, 13. Nous lisons ensemble. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livronneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Frères et sœurs bien-aimés, nous pourrons prier pour que nous soyons capables de commencer avec méditation nous pour ce midi. Notre Père bien-aimé, merci pour grâce que vous faites nous, alors que nous pourrons ouvrir parole là, livre sacré. Livre saint, nous m'en nous souplis, bah nous l'Esprit Saint pour que nous capables comprendre et parole là, non seulement comprendre mais pratiquer la vie nous, que l'Esprit Saint imprègne nous pour que nous capables interpréter parole là et petit tout yo captande nous à travers la terre entière, yo capable béni si là yo cap tomber levé avec un mal dans vie yo. Yo capable définitivement remporter la victoire parler pour nan moun capable béni parce que depuis c'est vous même qui parlez on a béni on a libéré qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ amen petite méditation non pour ce midi il y a pour titre chers amis et la nuit est avancée cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alors, vous imaginez que Paul, dans l'époque qu'il a vécu, il a fait une déclaration, ça. D'accord? Pour lui dire à chrétien, yo, et ça lui a plus près de yo. Et qu'en est-il pour nous-mêmes qui sommes au temps de la fin? Et qui sommes au temps de la fin? Qui ça que nous lui dit dans le moment ça? Dans le temps qu'il a vivre là, qui c'est temps de la fin, qui c'est un temps de la repentance, un temps de la conversion. Paul t'a exhorté chrétien yo pour qu'il soit capable de réveiller yo, pour qu'il soit capable de réformer yo, pour le retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, dans le texte là,
Paul dit à chrétiens yo, exhorter chrétiens yo pour yo réveiller, pour yo réveiller. Ça veut dire si yo dit on monde réveillé, son monde qui a dormi, d'accord? Son monde qui a dormi. Et maintenant ça veut dire spirituellement yo monde qui a dormi. Yo monde qui a dormi spirituellement. Frères et sœurs bien-aimés, sommeil nous capable dit c'est la partie spirituelle et la léthargie. Et c'est-à-dire, frères et sœurs bien-aimés, et c'est la passivité envers les choses de Dieu. Un monde qui a dormi, son monde qui révèle le passif envers les affaires, bon Dieu. Son monde qui révèle le négligent envers les affaires, bon Dieu. Et un monde, un chrétien qui a dormi, son chrétien, la prière pas intéressée. Un chrétien qui a dormi, frères et sœurs bien-aimés, son chrétien, lecture de la Bible pas intéressée. Un chrétien qui a dormi spirituellement, cela veut dire son chrétien, frères et sœurs bien-aimés, et la prédication de l'évangile pas intéressée. C'est un chrétien qui néglige l'âme. C'est un chrétien qui néglige la préparation pour le retour de Jésus-Christ. En sorte que Paul exhorte chrétien yo pour qu'il soit capable de réveiller dans le sommeil qu'il yo trouvé. Et exhortation ça, frères et sœurs bien-aimés, en ce temps de la fin, li adressé à moi-même, li adressé à vous-même qui attendez sur Facebook, à vous-même qui attendez, frères et sœurs bien-aimés, à travers la radio, télé papillon. Et exhortation ça adressé en ce midi à zami captant de nous sur Facebook, YouTube, zami captant de nous et à travers les 7 ministères qui connectés, frères et sœurs bien-aimés dans programme 21 jours ça, parce que Paul dit raison qui permet que les chrétiens doivent réveiller, c'est parce que salut a les prêts, frères et sœurs bien-aimés, de jour en jour. Frères et sœurs bien-aimés, les retours de Jésus-Christ à approcher et se rapproche chaque jour plus près de nous chaque jour qui nous dormit, nous lever, retour ça à rapprocher plus près de nous. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs bien-aimés, qui nous besoin et préparer nous, qui nous besoin réveiller nous, frères et sœurs bien-aimés, c'est ça que fait la Bible. Et la Bible, frères et sœurs bien-aimés, utilise les retours de Jésus-Christ pour le capable de stimuler croyants à une vie sainte, à une vie de sainteté. Frères et sœurs bien-aimés, l'aime connaît Jésus après tourner. Il y a des bagages qui m'a fait. L'aime connaît que Jésus revient bientôt. M'pap négliger nan mwen. Lèm konnen Jésus a retourné. M'pap bay péché sur non. Lèm konnen Jésus a retourné. M'pap dormi nan même cabane ak péché pour m'couvrir nan même drap ak péché. Amen, amen, amen. Pour m'coucher sous même oreiller ak péché. Lèm konnen Jésus a retourné. Frères et sœurs bien-aimés, m'a préparé m'm pour ce retour. Frères et sœurs bien-aimés, Paul dit, Paul va exhorter chrétiens, frères et sœurs bien-aimés, Paul dit, yo, la nuit est avancée, frères et sœurs bien-aimés, la nuit ici dans le texte, frères et sœurs bien-aimés, c'est la dépravation de Satan. La nuit ici, dans le texte, frères et sœurs bien-aimés, c'est symbole de détresse, c'est symbole du péché, corruption, iniquité qui envahit la terre. Parce que, frères et sœurs bien-aimés, c'est côté bagaille immorale, vin morale. Tout ça qui est immoral, alors bagay qui était immoral, vin moral, et tout ça qui est moral, vin immoral. Ce côté qui diable a dirigé, frères et sœurs bien-aimés, la nuit est avancée. Paul exhorte chrétien yo pour qu'il soit capable de mener une vie sainte. Et nuit ici dans le texte là, et c'est une nuit symbolique, ni pas une nuit littérale. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est ça que fait moi-même ensemble avec vous. Nous avons besoin de préparer nous
pour le retour de Jésus-Christ. Et regardez bien, et Paul dit, et puisque la nuit est avancée, Jésus revient bientôt, tant son temps de la repentance, temps, c'est un temps de la conversion, que ça fait Paul pour le dire à chrétiens, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, frères et sœurs bien-aimés, en ce temps de la fin, en ce temps côté que retour Christ l'approche, Paul pour encourager croyants pour yo capable repentir, pour yo abandonner leur péché, d'accord. Paul exhortait chrétiens pour yo, Paul encourager chrétiens non seulement pour yo repentir mais aussi pour yo abandonner péché qui ont gain dans vie yo. Frères et sœurs bien-aimés, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et œuvres ténèbres, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout ça qui contraire à la parole de Dieu. C'est toute bagaille qui moi-même avait à pratiquer qui contraire à la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, qui œuvres ténèbres qui nous capable citer dans moment bien dit ça. Frères et sœurs bien-aimés, des chrétiens en l'église qui a pratiqué adultère, des chrétiens en l'église qui a pratiqué le mensonge, qui ça aussi œuvre ténèbres qui yoyé. Des chrétiens en l'église là, frères et sœurs bien-aimés, malgré l'église, yo dans toute activité, malgré frères et sœurs bien-aimés, yo l'église, yo occupé des postes importants dans l'église là, mais yo en bas dans masse son loge, il y a des degrés l'autre côté, tandis que côté qui gagne des degrés, côté au capable pour un degré, c'est là on en Christ au capable pour un degré. C'est ça que fait frères et sœurs bien-aimés, ça aussi œuvre ténèbres qui oui en ce temps de la fin. Paul exhorter moi-même avec pour que nous capables repentir, pour que nous capables abandonner péché ça yo. Des chrétiens frères et sœurs bien-aimés qui idolâtrent, des chrétiens frères et sœurs bien-aimés et non seulement qui idolâtrent mais qui cap pratiquer les œuvres mondaines. Frères et sœurs bien-aimés, des chrétiens cap tendre là mon œuvre ténèbres encore, des chrétiens pas honnêtes que ou pas capable faire crédit dans rien qui soit bagaille là que ou ta confié frères et sœurs bien-aimés et pas honnête frères et sœurs bien-aimés ça aussi œuvre ténèbres qui yoyé réfléchis bien yon bagaille que ou gen nan men ou ki pa pour ou frères et sœurs bien-aimés ou pas ka monter dans ciel avec ou besoin abandonner œuvre ténèbres ça chrétien pas honnête chrétien frères et sœurs bien-aimés qui a vivant et qui quitte la chair emportée yo chrétien qui quitte la chair occupé yo et à 100% ça aussi œuvre ténèbres qui yo en ce temps de la fin et serviteur a encourager nous pour nous repentir en ce temps de la fin serviteur a encourager nous pour nous abandonner péché sous quelle que soit forme qui lié à parce que Christ revient bientôt. Christ revient bientôt, c'est le temps de la confession des péchés, c'est le temps de la repentance totale, temps de la conversion, temps pour quitter médisance, temps pour quitter parler monde mal, temps pour quitter douette longue, temps pour quitter suspendre manger comme dit Marco Fran. Amen, 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 amen. Christ revient bientôt. Tant pour quitter des ménages là, tant pour quitter des madames, tant pour quitter des maris, parce que Christ revient bientôt. Tant pour pas honnête là, tant pour quitter et malhonnête là, frères et sœurs bien-aimés, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons repentir, nous devons frères et sœurs bien-aimés convertir pour qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit capable de descendre dans la vie nous pour préparer nous frères et sœurs bien-aimés pour ce grand temps de détresse cap avancer à grands pas sur route nous aux amis cap tendez dans moment ça sur Facebook YouTube amis cap tendez à travers la radio
télé et papillon, frères et sœurs bien-aimés, amis, capitaine Dim, à travers les 7 ministères qui connectés pour réaliser ce grand programme. Et je suis content pour me dire en ce midi, temps pour repentir à ce moment ça, c'est pas demain qu'il dit, c'est pas après demain qu'il dit, mais c'est temps ça même, parce que le temps favorable c'est aujourd'hui, le temps du salut c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, frères et sœurs bien-aimés, parce que Christ revient bientôt. Réfléchis dans la vie ou qui œuvre ténèbres qui ont gagné, gagné ou pas cité cause du temps, mon capable réfléchir tout ça qui a fait qu'on connaît qui contraire à la parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, tout ça qui on connaît qui c'est un obstacle à l'évangile. Frères et sœurs bien-aimés, son œuvre ténèbres qui lie, et en ce temps de la fin, ou besoin prendre décision pour abandonner, ou besoin prendre décision, frères et sœurs bien-aimés, pour capable mener une vie sainte, une vie de consécration, une vie de sanctification, parce que Christ revient bientôt. Alors ce que nous allons prier en ce midi, nous allons prier première maladie qui nous allons prier pour vous, qui nous allons prier et pour yon nan midi sa, c'est moun ki malade spirituel yo, c'est malade péché yo, c'est pour yon pral briye. Et ma sire ou frère et sœur bien-aimé, depuis malade péché yo et joine guérison, depuis malade moun ki malade spirituel yo joine guérison dans le nom de Jésus. Tout l'autre problème, tout l'autre difficulté, et frères et sœurs bien-aimés, a besoin de solution, parce que la Bible claire dit c'est péché nous yo, crime nous yo qui mettait en séparation entre nous-mêmes avec Dieu. Pendant qu'il nous pral prier, ouvre cœur, pendant qu'il nous pral prier, ouvre âme, ouvre l'esprit, pendant qu'il nous pral prier, lamenter au pied de Jésus, lamenter frères et sœurs bien-aimés devant le trône de la grâce et le sang de Jésus-Christ efficace pour capable laver nous. En ce midi, notre Père bien-aimé, nous bénis, exaltés, nous fait louange et compliment pour vous, parce que vous êtes mon Dieu. Merci Seigneur pour la vie, merci pour le mouvement et l'être, merci pour la protection de tes saints anges au milieu de nous. Merci pour ce midi qui vous permet que Seigneur, nous ouais gen moun ki pa ouais moitié journée hein, gen moun diable la terrasse, gen moun notre Père bien-aimé kap traverser des moments difficiles. Nan moment midi ça nous remet yo nan main, nous mando souple visite yo en ce midi. Gen petit ou kap tombe levé avec yon péché, gen petit ou kap tombe levé avec yon faiblesse, gen petit ou notre Père bien-aimé ki gen des années depuis que Seigneur faiblesse sa persisté nan ville, trait de caractère sa, comportement sa, notre Père bien-aimé permettre qu'il pas qu'à faire l'évangile dimension qu'il a dû faire. Dans moment ça Seigneur éternel, demandons grâce pour vous, demandons grâce pour vous Seigneur, demandons pitié pour vous, demandons pitié pour vous, demandons pitié pour vous Seigneur éternel. Converti yo, permet à ce que notre Père bien-aimé des résolutions capables pour en vie yo, pour qu'il soit capable abandonner le mal, abandonner péché sous toute forme pour capable mener une vie de consécration, une vie de sanctification, passer sous ligne de prière à un moment ça, passer à travers la radio pour potentia, passer à travers la radio papillon, passer à travers Facebook, YouTube, petit tout qui malade, petit tout qui persécuté, petit tout qui a tombé levé avec un mal dans vie, petit tout qui souffrit fibrome, cancer, il s'est d'estomac et tumeur, gen qui persécuté, gen qui pas comme ça pour yo faire avec la vie a noir devant yo. Nous mandons souplez en ce midi, manifestez puissance, bah ici là où besoin de liberté, bah ici là où notre Père bien-aimé qui persécute, bah yo victoire, si là où cap marche tête baissée, levez tête yo, si là où qui humilié, notre Père bien-aimé, j'en te fait pour Joseph, j'en te fait notre Père bien-aimé dans le passé, pour pitié tout yo, nous m'en nous souple, levez tête yo,
Gon madame mariée dans moment ça qui ou doit lever tête li, gon monsieur marié qui ou doit lever tête li. Des années capitaine yon bébé nan men yon. Seigneur café lui qui sort à café, rien n'est impossible à toi. Priez la prière kabay kon bay repos, la prière kon change tout bagay. Les joyaux paraît noir, len pa wè côté pour nous passer, len prier, la prière gen solution. Demande au Seigneur agis en ce midi. Fais grâce Seigneur, libère Seigneur. Casser code notre Père bien-aimé, transformer, régénérer, purifier, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Nous tiens à remercier chaque ami qui t'attend de nous. Dans moment ça, sur Facebook, YouTube, Radio, Télé, Papillon, les sept ministères, tous les amis, ça, t'es connecté. Dans moment midi ça, qui t'a prié avec nous, et toujours dans le cadre de 21 jours de prière ça. Et que bon Dieu bénisse nous et qui reste journée à capable, bonne, profitable pour nous à tous égards. Que Seigneur capable visiter nous, que Seigneur bénisse nous. Amen. Amen.